Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog parce que ça fait quelques temps que je vous en ai pas fait et voilà, ça me manquait, je me dis que vous avez été nombreux à me le demander donc ça devait aussi vous manquer, du moins à certains d'entre vous. Juste avant de commencer, je voudrais vous demander, pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, si vous êtes abonné et que vous ne recevez pas les notifications des nouvelles vidéos, vous pouvez activer la cloche. Voilà, c'est un truc un peu idiot que j'ai jamais trop dit sur ma chaîne, mais vous avez été nombreux à me dire que vous ne voyez plus les nouvelles vidéos sortir et comme j'ai fait une pause pendant quelques temps, je pense que c'est par rapport à ça, que YouTube n'envoie plus les notifications sur mes vidéos. Donc si jamais vous voulez continuer à les voir, n'hésitez pas à activer cette cloche, voilà, en espérant que du coup ça puisse résoudre le problème. Bref, cela étant dit, aujourd'hui je vais continuer à avancer des créations, donc c'est ce que vous allez voir en premier. Vu que je suis en vacances, j'ai aussi prévu de tourner des vidéos, donc vous le verrez sûrement, voilà, peut-être demain ou quoi. Vous savez que mes vlogs sont toujours sur 2-3 jours, voire un peu plus quand j'ai vraiment étalé mon travail sur beaucoup de jours, donc je sais pas trop combien de jours il durera pour l'instant. Mais bref, aujourd'hui je vais commencer par avancer des créations et je vais sûrement faire un petit live en même temps, donc je pense que je vais essayer de vous montrer ces deux choses pour aujourd'hui. Bref, du coup j'ai pas mal avancé, je filme au téléphone donc je sais pas si le son et tout ça c'est bien, mais voilà, je filme un peu au téléphone aussi et je vais juste vous montrer quelque chose. Voilà, donc pour ceux qui ne le savaient pas, bah les poules ça creuse des trous et ça se roule dans la terre et du coup ça défonce littéralement les parterres de fleurs. Bref, du coup fin de la pause poule et je vais retourner avancer les créations. Donc l'éclairage est absolument dégueu, je suis désolée, je suis dans ma voiture, je suis en train du coup de partir, voilà, je vais en soirée et du coup bah, j'y vais en voiture parce que c'est quand même beaucoup plus simple et je viens du coup d'avoir mon permis donc j'en profite, voilà, et je précise, je suis arrêtée et garée, voilà, je ne n'utilise pas mon téléphone au volant et ne le faites pas parce que c'est dangereux et que c'est pas bien, mais du coup voilà, donc je pense que je vous retrouve demain pour la suite du vlog.
Hello, je suis en train de filmer avec mon téléphone parce que je charge la batterie de la caméra et du coup, comme vous l'avez vu, je suis rentrée, j'ai avancé des créations et du coup, c'est ce que je continue à faire. Donc là, je suis en train de travailler sur des tacos, vu qu'on en est 20, ça prend assez longtemps et du coup, il faut que je finisse les garnitures et voilà, c'est ce que je voudrais essayer de finir aujourd'hui si j'ai le temps. Donc voilà, vous pouvez voir le bazar un petit peu sur mon bureau. C'est en général toujours le cas quand je travaille parce que je suis obligée de sortir tous les outils, du coup ça en met partout. Mais voilà, j'aimerais essayer de finir les créations aujourd'hui et comme ça demain je pourrais m'atteler aux vidéos que j'ai à tourner et essayer de finir mon planning parce que du coup j'avais planifié pas mal de choses aux vacances. Et voilà, faut que j'essaie de tout boucler. Petit plan de qualité filmé au téléphone, mais du coup j'ai fait deux storyboards tout simplement pour les vidéos que je dois tourner demain. Donc voilà, les vidéos que j'aurai à tourner, c'est ma vidéo sur l'inspiration que vous m'avez beaucoup demandé et que je promets de faire depuis longtemps, et une vidéo sur un comparatif des silicones de moulage, donc du silicone liquide et du silicone. Et du coup voilà, j'ai préféré pour ces vidéos-là faire, vous voyez qu'il n'y a pas grand chose non plus sur mon script, mais ça me permet de pas me perdre quand j'ai vraiment des éléments précis à dire. Et là pareil parce que c'est des choses que voilà auxquelles j'ai beaucoup réfléchi à l'avance et du coup ça m'évite de dire des bêtises ou d'oublier des éléments. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et du coup ces vidéos seront tournées demain. Petit point vlog que je n'ai pas fait hier d'ailleurs, je crois que je vous ai pas parlé en face cam hier, mais bon, je voulais pas que le vlog dure trop trop longtemps non plus, comme je vous mets plein de jours, donc j'essaie de pas surcharger inutilement. Là, je viens de tourner, comme vous pouvez le voir à cette petite caméra, deux vidéos, dont une, la vidéo sur l'inspiration. J'ai pas fait le montage, mais je panique déjà sur la durée de cette vidéo. J'ai l'impression d'avoir parlé pendant 1 heure et demie, donc je sais pas du tout combien de temps ça durera au final. Il va falloir que je fasse le montage dans les prochains jours. Là, je vais encore terminer quelques petites choses pour les créations que je vais pouvoir mettre à cuire et je vais peut-être vous les montrer vite fait, du coup, une fois qu'elles seront cuites. Pour vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait, en fait on est allé racheter, enfin donc rechercher chez une éleveuse des poules, vu qu'on a de base celle-ci,
voilà, qui du coup est à l'extérieur pour que les autres puissent s'acclimater, et c'est ce que nous a conseillé l'éleveuse pour éviter qu'il y ait des conflits au début. Il nous restait deux poules de celles qu'on avait achetées, et la mienne, que j'aimais énormément, est morte il y a à peu près 2 semaines, donc voilà, du coup on en a racheté pour pas que l'autre soit toute seule. Et voilà, du coup on en a repris 4 et maintenant bah, on a 5 poules et on est très contents. Voilà, donc elles sont encore petites, du coup elles pondront pas, je pense, avant l'année prochaine. Mais en tout cas, bah, ça va faire de la compagnie à l'autre et puis voilà, on va les laisser s'habituer tranquillement à l'enclos. Bon, on a juste l'impression que la rousse, elle essaie de communiquer, mais voilà, elle a pas l'air agressive, donc c'est cool. Par contre, toi, t'es mignon, mais tu sautes pas. Fin du point animaux, donc j'ai un trépied accroché là, oui, c'est parfaitement normal. Du coup, je vais vous montrer rapidement, comme je vous l'avais dit hier, les créations que j'ai terminées et que j'ai aussi eu le temps de vernir, donc voilà, vous avez la version finale. Donc je vous montre ça au téléphone parce que j'ai la grosse flemme de changer les objectifs de la caméra pour vous les montrer, mais de toute façon vous aurez une vidéo propre, nouvelle création sur celle-ci. Donc on va commencer par ce qui est devant, à savoir des petites fleurs comme ça, donc des petites fleurs un peu type cerisier, où je sais pas si le cœur se verra bien, mais voilà, du coup je l'ai fait en paillettes, micro-billes et tout pour avoir un petit effet un peu brillant et que je trouve assez sympa. Et donc voilà, elles sont toutes simples et je vais les monter, je pense, en boucle d'oreille et en charms. Ensuite, j'ai ces petites abeilles, enfin voilà, ruches, abeilles, alvéoles, je sais pas trop comment appeler cette création. Mais en gros, vous avez du coup ce petit motif d'alvéole avec les hexagones. J'ai rempli avec de la résine pour faire le miel et j'ai collé sur chaque une petite abeille, donc voilà, sur le côté. Donc franchement, je trouve ça assez chou, je savais pas trop ce que ça allait donner, je suis un peu partie en freestyle et j'aime plutôt bien. Ensuite, toujours dans les créations crash test, vous avez ça, donc ce sont de base des petits oréos, voilà, tout ce qu'il y a de plus normal. Et j'ai décidé de les faire en paire, donc voilà, avec une forme de cœur dans le blanc du milieu. Et du coup, ils s'emboîtent, donc je pense que je vous mettrai une petite vidéo. Je vais poster une vidéo sur Insta où je les montre en détail, donc voilà, je vous mets la petite vidéo en ce moment. Et pour finir, tout ce bazar, voilà, il y a 20 tacos, donc c'est vraiment ce qui a été le plus long à faire, parce qu'en soi, un tacos, c'est long à faire, donc je vous laisse imaginer pour 20. Et du coup, j'ai un petit peu changé de technique pour la viande notamment, et j'ai essayé de, voilà, de faire vraiment quelque chose de très garni et bah, qui me plaise tout simplement au résultat. Et donc pareil, je vais faire, je pense, charms, porte-clés, et je verrai si je fais des marque-pages ou autre chose, je suis pas encore totalement fixée sur ça. Mais du coup, voilà pour l'ensemble de la fournée que j'ai passée hier et du coup les créations que j'ai faites cette semaine. Je précise que je tourne l'outro le dimanche, donc je crois que j'ai tourné les derniers plans du vlog hier, et donc voilà, je tourne l'outro qu'aujourd'hui parce que j'avais totalement oublié de la tourner avant. Mais j'espère vraiment que ce vlog vous aura plu. Toutes les créations que vous avez vues seront représentées dans une vidéo nouvelle création en version montée, et voilà, du coup vous aurez une vision un peu plus complète de ce que j'ai pu faire. Aussi, j'ai pas beaucoup filmé hier parce que j'étais en train de m'occuper des poules, voilà, pour qu'elles s'acclimatent, et du coup elles vont très bien. Et voilà, ça fait plaisir de revoir des poules à la maison. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce type de vlog vous plaît et si jamais il y a des parties que vous aimez particulièrement, enfin voilà, s'il y a différents aspects que vous aimez plus voir que d'autres, n'hésitez pas à me le dire et comme ça j'essaierai éventuellement d'adapter. N'oubliez pas d'activer les notifs si jamais vous êtes déjà abonné à la chaîne, ça vous permettra de ne pas rater les prochaines vidéos parce que visiblement YouTube a décidé de ne plus envoyer de notifs à mes abonnés. Donc voilà, si vous voulez ne pas les rater, n'hésitez pas à faire ça. Et en attendant, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo et je vous dis à très vite. Bye tout le monde!